Frères et sœurs, amis du Seigneur, enfants de Caté, bienvenue en cette église pour célébrer l'amour du Seigneur. Nous avons répondu librement à son appel. Il est présent parmi nous pour nous redire tout le bonheur qu'il offre à tous les hommes, à toutes les femmes et à tous les enfants. Aujourd'hui, dans la joie, nous accueillons Léonore qui se prépare au baptême, Milada et Ange qui se préparent également au baptême et à la première communion, ainsi que Mati, Gustavo et Kenzo qui se préparent à leur première communion avec Françoise Zimmer. Maintenant, je les invite à venir devant pour manifester devant l'Assemblée leur démarche de demande de baptême. Voilà, aujourd'hui, c'est l'entrée en catéchuménat. Voilà, vous venez ici. Milada, c'est qui, Milada? Bien. Ange, voilà. Léonore. Voilà. Voilà, tout juste une petite question. Pourquoi voulez-vous être baptisé? Ange, pourquoi veux-tu être baptisé? Parce que je suis Jésus. Voilà, tu veux suivre Jésus. Et toi, Milada? Que je veux devenir chrétienne pour me rapprocher de Jésus. Voilà, parce que tu veux devenir chrétienne pour te rapprocher de Jésus. Et Léonore, c'est toi. Pourquoi tu veux demander le baptême? Parce que j'aime Jésus, parce qu'il guérit les malades. Voilà, parce que tu aimes Jésus, il guérit les malades. Très bien. Alors Ange, tu as demandé à venir avec les chrétiens ici rassemblés. Maintenant qu'au milieu de nous, tu as commencé à croire en Jésus, peux-tu nous dire ce qui t'attire le plus en lui? Sa bonté. Voilà, sa bonté, la bonté de Jésus. Et toi, Milada? Sa générosité en amour. Sa générosité, c'est ça qui t'attire le plus. Et toi, Léonore? Qu'est-ce qui t'attire le plus à Jésus? Peut-être son amour, n'est-ce pas? Oui. Peut-être son amour. Son amour, très bien. Pour toi, Jésus, c'est quelqu'un qui veut faire de tous les hommes, toutes les femmes, ses amis. Il te demande de l'aimer. Veux-tu devenir son amour, son ami? Voilà. Veux-tu devenir l'ami de Jésus? Oui. Oui. Et toi? Oui. Voilà. Tu as découvert que Jésus t'appelle par ton nom. Veux-tu le suivre? Oui. 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 Voilà, très bien. Et maintenant, je veux vous marquer de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur. Donc, c'est la communauté chrétienne qui vous accueille avec joie. En son nom, je vous marque de la croix. Le Christ du Christ, le signe du Christ, notre Sauveur. Voilà. Voilà, Ephrata, ouvre-toi. Voilà, Ephrata, ouvre-toi. Voilà, vous pouvez maintenant. Voilà, maintenant je bénis tous les enfants. Voilà, je vous ai déjà béni. Et maintenant je me tourne vers l'Assemblée. Nous qui portons le nom de chrétiens et chrétiennes, faisons ensemble le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, regagnez vos places. J'invite les enfants qui vont lire
les couplets de Kyrie à venir devant. Voilà, nous commençons. Et la liturgie des enfants, les plus petits, vous suivez Astrid. Hein? Voilà, de 6 à 12 ans. 6 à 12 ans, vous suivez Astrid. Et puis, au fond, là-bas, de 0 à 6 ans. Voilà, il y a une personne qui vous attend de l'autre côté. Voilà, voilà, vous connaissez. Merci. Voilà, frères et sœurs, reconnaissons notre péché, accueillons la miséricorde du Seigneur et tournons-nous vers lui en toute confiance. Seigneur, tu nous as donné 10 commandements comme balise pour un chemin de vie, de liberté et de bonheur, mais nous nous rendons compte que nous ne les respectons pas toujours. Seigneur, prends pitié. Seigneur, si nous t'aimions vraiment comme tu nous as aimés, tu serais en tête de nos priorités. Mais souvent, nous t'oublions et nous te laissons de côté avec le sac de Cathé. Ô Christ, prends pitié. Christ, éveille-toi. Seigneur, tu nous invites à aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais souvent nous ne suivons pas ton invitation. Seigneur, prends pitié. Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Voilà, tout juste une petite prière d'action de grâce avant le Gloria. Seigneur, notre Dieu, notre Père, vraiment aujourd'hui, nous voulons te dire ensemble notre joie. Tu es plein d'amour. Tu as permis que Milada, Ange et Léonore se mettent en route vers toi. Et maintenant que ton Fils Jésus a commencé de devenir leur ami, il a pu les appeler par leur nom. Ils font désormais partie de la famille des chrétiens. Fais-les de plus en plus grandir dans ton amour. Et nous qui sommes déjà baptisés, fortifie notre attachement à Jésus. Alors tous ensemble, nous pourrons vivre dans son amitié et dès à présent te chanter. Gloria, gloria.
Milada, Ange et Léonore, maintenant vous avez votre place dans la famille des chrétiens. Avec nous tous, venez écouter la parole de Dieu et prier. Voilà, maintenant, avant de passer à la liturgie de la parole, l'Assemblée est invitée à faire un engagement que vous allez répondre oui. Quant à nous, les chrétiens ici présents, nous voulons être attentifs aux découvertes et aux questions de Milada, Ange et Léonore, leur apporter le soutien de notre affection et de notre prière. Pour cela, êtes-vous prêts à vivre dans une plus grande fidélité à Dieu? Oui. Voilà. Nous écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux les hommes qui intègrent dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies affermir à observer tes commandements. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu.
es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers enfants de Cathé, nous poursuivons notre découverte de Jésus en faisant un pas de plus, hein, cette fois-ci, comment grandir dans nos relations avec Dieu et avec le prochain. Alors aujourd'hui, Jésus nous invite à marcher suivant sa loi de l'amour, comme nous l'avons entendu dans le psaume 118, « Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ». Alors je vous demande, il s'agit de quelle marche? Quelle marche? Ceux qui marchent. Quelle est cette marche? Ça peut être une route, non, n'est-ce pas? Un chemin de liberté. Alors chacun, chacune a sa voie, son itinéraire. Et quelle est cette loi? Quelle est cette loi? Ça vous dit quelque chose, le mot loi? Quelle est cette loi? Oui? Rien. Rien de la loi. Oui? La loi sur la route, qu'on ne peut pas aller trop vite. Voilà. Très bien. Et Cyprien, la loi? Comme Domenico. Voilà. La loi du Seigneur. La voix du Seigneur. Dans la loi, ça peut être un enseignement, une exigence, comme tu l'as dit, des règles de route, des règles de vie, des préceptes. Ça peut être aussi des commandements. Vous l'avez vu en catéchèse, non? Les 10 commandements, les paroles pour la vie, qu'on appelle aussi le décalogue. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qu'il a retenu? Un seul commandement de Jésus dans le décalogue, les 10 paroles. Qu'est-ce que tu as retenu? Tu ne voleras
pas. Ah, très bien, tu commences par le vol. Tu ne voleras pas. Quoi d'autre? Alors, qu'est-ce que les catéchistes vous ont dit sur les 10 commandements? Qu'on ne pourra pas avoir d'idole. Ouais, pas d'idole. Tu ne tueras pas. Voilà, tu ne tueras pas. Quoi d'autre de l'autre côté? Oui. Honore ton père et ta mère. Très bien, hein? Honore ton père et ta mère. Il faut les respecter parce que c'est d'eux que nous avons la vie. Voilà, quoi d'autre qu'un commandement de Dieu? Voilà. Toi, tu as déjà parlé. Oui. Qu'on aura qu'un seul Dieu. Voilà, un seul Dieu. Donc voilà, les 10 commandements, oui, tu as déjà parlé. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre dans les 10 commandements, hein. Voilà, ne pas se mettre en colère, ne pas injurier, ne pas dire du mal, ne pas jurer, ne pas frapper. Alors, ces commandements comme un chemin de vie, hein, de liberté et de bonheur pour vivre heureux et ensemble sous le regard bienveillant de Dieu. Alors, dans la première lecture que Jean-Claude venait de lire, il y a l'auteur, un grand-père, on l'appelle Ben Sira le Sage. Voilà, il nous rappelle l'importance de la fidélité et de choisir la vie. Alors maintenant, je vous demande, quel choix avez-vous déjà dû faire dans la vie quotidienne? Qu'est-ce que vous avez déjà choisi dans la vie quotidienne? Vous avez écouté le sage là, non? De choisir la vie. Qu'est-ce que vous avez déjà choisi dans votre vie quotidienne? Parfois des choix difficiles, des bons choix. Oui, lui? De suivre le Seigneur. Voilà, tu as tout dit. Hein, la voie de, le choix de suivre le Seigneur, suivre Jésus, comme l'a manifesté ceux qui ont fait leur entrée pour le baptême. Voilà, suivre Jésus, venir à la catéchèse, venir à la messe, c'est déjà un bon choix. Voilà, d'autres restent à la maison, peut-être en train de dormir, de regarder la télé, ou bien se balader, jouer. Mais vous avez fait un bon choix de venir à la catéchèse, à la messe. Voilà, quel choix avez-vous encore fait dans votre vie quotidienne? De bons choix. De bons choix. Vous n'avez pas encore choisi, oui? De laisser les écrans de côté. Voilà, hein? Mettre l'écran de côté. Pour faire quoi? À autre chose, dehors. Oui? Le choix d'aider les personnes en détresse. Voilà, le choix d'aider. Très bien. Le choix de servir. Le choix de respecter l'autre, le choix de défendre, de protéger la nature, l'univers, dont il y a beaucoup de choix à faire. Le choix d'aimer, le choix de se réconcilier, de pardonner. Alors, si tu peux, si tu veux, tu peux, disent les grands-parents. Voilà, pour réussir aux examens, pour gagner au jeu, cela demande beaucoup de sacrifices et d'énergie. Alors, Jésus n'est pas seulement un modèle à suivre, mais aussi un maître à écouter. Alors aujourd'hui, il nous invite à être vigilants dans la vie, à faire de bons choix dans la vie, à choisir le chemin, ce qui conduit à la vie, et de rester fidèle dans ses choix afin d'éviter le pire, le chaos. Alors il vous dit, moi, je vous dis, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, accomplir la loi, la réaliser pleinement, la parfaire, l'achever. Alors, il nous rappelle que la loi est importante pour bien vivre en société. Mais ce qui est le plus important, c'est l'esprit de la loi, dont le respect de la personne passe avant les règles, n'est-ce pas? Le respect de la personne passe avant les règles. Voilà la bonne nouvelle de ce dimanche. Voilà ce qui anime le cœur de Jésus. C'est l'amour de Dieu, son Père, et l'amour qu'il a pour les hommes, les femmes, les enfants que nous sommes, pour qui il va donner sa vie. Alors Jésus nous a laissé un commandement nouveau, sa loi nouvelle. Qui connaît ce commandement nouveau, cette loi nouvelle que Jésus nous a laissé, son plus grand commandement? C'est lequel? Qui peut me dire le grand commandement de Jésus qu'il nous a laissé? Oui? Et les catéchistes ne soufflent pas. Je vous regarde. Oui, Cyprien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, et puis avant cela, très bien, tu as bien répondu, la moitié. L'autre, on commence par qui? Tu aimeras d'abord
ton Seigneur. Voilà, ton Dieu. Hein? C'est ça le commandement de Jésus. Hein? Aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà la loi nouvelle, la loi de l'amour qui est inscrite dans nos cœurs. Alors donc Jésus nous montre le chemin hein, pour aimer les autres comme Dieu nous aime. Alors il nous dit, Dieu ne tue pas, Dieu ne punit pas l'homme, la femme, l'enfant par des paroles ou par des gestes. Alors Dieu regarde toujours chaque homme, chaque enfant, chaque femme avec amour et respect. Et Dieu accueille toute personne sans exception. Alors la parole de Dieu est toujours vraie. Dieu dit toujours oui à ce qui est vie et non à ce qui est mort. Alors soyons des oui. Vous répondez oui. Soyons des oui, oui. Allons-y, soyons des oui, oui. Soyons des non, non. Alors maintenant, c'est à vous de faire de bons choix dans votre vie. Ensemble, nous allons demander à Jésus, Jésus, apprends-moi à aimer comme toi. Allons-y, Jésus, apprends-moi à aimer comme toi. Encore, Jésus, apprends-moi à aimer comme toi. Nous professons maintenant notre foi. En le symbole des apôtres, les enfants, vous avez ça dans le feuillet entre vos mains. Alors tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Voilà, nous passons aux intentions. Qui nous lit les intentions? Voilà, Marie-Thérèse. Tournons-nous vers le Seigneur qui nous veut toujours libres. Et présentons-lui les besoins et les aspirations des hommes et des femmes, nos frères et nos sœurs. En ce dimanche de la santé, nous prions pour tous ceux qui côtoient et prennent soin des personnes malades, âgées ou handicapées. Que l'esprit de tendresse et de compassion envahisse leur cœur, afin qu'ils trouvent les mots et les gestes qui leur apporteront un peu de soulagement. Seigneur, nous te prions. Nous prions pour tous les dirigeants des pays, que l'esprit de sagesse les aide à découvrir ta loi d'amour, Seigneur, inscrite au fond de leur cœur, qu'ils l'entendent avant de mettre en place leur loi pour les sociétés humaines qu'ils gouvernent. Seigneur, nous te prions. Exaudinos, Domine, exaudinos, 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 Domine.
Nous prions pour tous ceux qui cherchent le Christ. Que l'Esprit de lumière les éclaire et les entoure, et qu'ils puissent, dans l'étude et la méditation de l'Écriture sainte des paroles, qui deviendront source de vie pour leur quotidien et pour le monde. Seigneur, nous te prions. Nous prions pour les parents, les catéchistes, les éducateurs qui annoncent aux enfants et aux jeunes le mystère de la vie du Christ et qui les aident à devenir des adultes dans la foi. Que l'esprit d'amour les aide à discerner ce qui est bien et bon. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, tu vois notre désir de vivre en accord avec ton commandement d'amour. Accueille notre prière et exauce nos demandes par le Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Pouvez-vous asseoir? Le terrible séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord-est de la Syrie a déjà fait plus de 22 000 victimes. De nombreux survivants sont désormais sans logement. Ils ont un besoin urgent d'abri, d'eau potable, de nourriture, de vêtements chauds et de soins médicaux. À ce stade, l'objectif principal est de sauver des vies et d'assurer la survie de la population. Une ligne d'information a été immédiatement installée par Caritas Turquie pour fournir diverses formes d'aide aux survivants. L'organisation travaille en étroite collaboration avec les autorités locales afin de recueillir des informations et d'organiser l'aide humanitaire. Les équipes de Caritas ont rassemblé les survivants dans des endroits sûrs et assurent leurs besoins élémentaires. L'ensemble du réseau international de Caritas est évidemment mobilisé face à ce tragique événement et a rapidement réagi pour soutenir les populations, dont la collecte de ce jour est faite pour Caritas International. Merci de votre générosité. Grandis-moi, Seigneur, en ton amour.
Nous passons maintenant à la liturgie et à la liturgie eucharistique. Malida, Ange, Mati, Gustavo, Kenzo se préparent à communier au Christ. Jésus se donne à nous dans l'Eucharistie. Je les invite à venir autour de l'autel pour vivre intensément la prière de l'Église qui fait mémoire de son dernier repas. Voilà, venez tout autour de l'autel, ceux qui se préparent à la première communion. Voilà, venez. Ici. Deux ici, deux ici. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur, notre Dieu, augmente notre ardent désir d'observer entièrement tes commandements. Fais qu'elle fortifie ceux et celles qui marchent suivant ta loi sur le chemin de la vraie liberté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Dieu notre Père, car tu nous as créés libres. Et pour guider nos choix, tu nous as donné ta loi comme un chemin de vie et de libération. Nous te bénissons pour ton Fils Jésus, notre Maître et Sauveur. Il est venu accomplir la loi et nous a tracé le chemin de la vraie liberté qui conduit au bonheur. En lui, ce n'est plus l'obéissance à la lettre de la loi qui est décisive, mais l'engagement à aller plus loin, toujours plus loin dans l'amour. Il ne se contente pas d'inviter ses disciples à le suivre sur ce chemin exigeant de l'amour jusqu'au bout, mais il leur donne aussi à chaque instant la force nécessaire de l'Esprit Saint pour rester fidèle. C'est pourquoi nous joignons nos voix à l'action de grâce de l'immense fresque joyeuse des saints et des anges qui t'acclament en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes et les catéchumènes. Nous prions également pour Milada, Ange, Mathieu, Gustavo et Kenzo qui se préparent au baptême à la première communion. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions aujourd'hui pour les défunts de famille Collion et Spies, France Gillet, famille Gillet, Nolvaux, Lucien et Dominique Laurent, famille Laurent, Népère, André, Glodot. Il y a une intention particulière. Nous prions aussi pour les défunts de famille Neto Nunes, José et ses agonisants, les âmes du purgatoire, et si Dalia, Hermino et Hermino, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les Félix, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Martin, et Saint Félix, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Les enfants de Cathé, comme d'habitude, je vous invite tout autour de l'autel. Voilà, venez, nous allons tendre les mains vers le ciel pour dire ensemble la prière des enfants de Dieu. Les mots que l'Esprit Saint nous inspire pour appeler Dieu Père, Abba. Voilà, nous mettons les mains comme ça. Voilà, voilà, nous regardons vers le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu invites tes disciples à renouer le lien brisé avec un frère ou une sœur avant de se présenter à ton autel. Inspire-nous le geste fraternel qui convient envers l'autre blessé et conduis-nous vers la réconciliation et la paix véritable. Toi, notre seul Maître et Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, je vous invite maintenant à partager cette paix. Alors, chacun dit à son voisin, la paix du Seigneur ressuscité soit avec toi. Voilà. Dans la charité du Christ, voilà, donnons-nous la paix. Heureux les invités à la table des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Amen.
Voilà quelques annonces de la vie paroissiale. À Saint-Martin, un temps de prière a eu lieu à l'occasion du décès de Danielle Gaillard, veuve de Patrice Payotte, route de Dirkish, 403, 73 ans. Nous célébrerons les funérailles de Jean-Claude Joaris, époux de Chantal Bertholomé, ce lundi 13 février à 10h, chemin de Vélaire, 51, en 63 ans. Les collectes de Noël pour la Saint-Vincent de Paul ont rapporté 7 809 euros. Celle du premier week-end de janvier pour l'Afrique, 1 622 euros. Celle pour l'Action d'Amiens, 1 079 euros pour l'ensemble de notre unité pastorale. Merci pour votre générosité. Réunion de l'équipe pastorale d'Arlon ce lundi 13 février à 9h30 à la salle Godefroy Crutt de l'église Saint-Martin. Réunion du groupe Laudato Si, écologie intégrale ce mardi 14 février à 19h30 à la salle Jean-Marie Jadot de la crypte de Saint-Martin. Partage de la parole de Dieu mercredi 15 à 20h à l'église de Frassem. Préparation des baptêmes des enfants ce jeudi 16 février à 20h à la salle Godefroy Crutt de l'église Saint-Martin. Et fête, en la bonne nouvelle, fête de la Saint-Valentin. Samedi prochain, 18 février, nous invitons les jeunes couples et tous les amoureux à vivre un moment de rencontre et de célébration dès 17h30 à l'église Saint-Valentin de Frassem. Des animations sont prévues pour les enfants. Merci de votre généreuse écoute. Prions encore. Tu nous as donné, Seigneur, de boire aux sources de la vraie vie en écoutant ta parole et en partageant ton pain. Fais que nous puissions transmettre à tous ton évangile qui libère les hommes, les femmes, les enfants et les conduit au véritable bonheur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde nous bénisse et nous garde dans sa paix. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la joie et la paix du Christ. Très bon dimanche et bonne semaine. Et déjà, bonne fête de la Saint-Valentin. Surtout aux amoureux du Christ.